Comment tu t'appelles? Moi, j'ai fait un happening avec des hélicos qui tournaient sur le un building à New York. Et Comment tu t'appelles? ah oui, moi j'ai aussi dessiné la bouteille d'un grand nom dans le champagne à côté, pas loin. Alors ça, Comment tu t'appelles? moi j'ai. Il y a aussi la photo super connue de qui a fait la couve des grands magazines d'art. Attends, c'est. Comment tu t'appelles? Il y a eu l'install qui a très très bien tourné partout dans le monde entier. Moi, j'aurais bien voulu y aller aussi, mais bon, j'avais pas le temps. Comment tu t'appelles? Une fois, j'ai même créé un outil pour une de mes pièces qui a permis la réalisation d'un énorme. Comment tu t'appelles? J'ai aussi. Ah oui, ça a fait la une de tous les JDD quand j'ai peint en rose le derrière de. Comment tu t'appelles? Ah si si, j'ai beaucoup vendu dans tous les. Sur tous les continents, les tableaux qu'on accroche par le bas en biais, vous savez. Mais c'est pas non plus vraiment des tableaux, c'est plutôt des. Comment dire? Ça, c'est quand même sacrément. Comment tu t'appelles? Aussi, oui, parce que j'ai tellement fait de trucs avec la patrouille de France le jour d'un de mes vernissages. Comment tu t'appelles? Même, j'ai conseillé un ministre, même plusieurs d'ailleurs, pour. Comment dire? La façon dont il devait être sur la photo. Et. Comment tu t'appelles? Ah oui! La fois où j'ai fait disparaître là, avant le match, entre. Comment tu t'appelles? Il y a aussi la mannequin qui. J'avais conceptualisé la forme à demi-géométrique de sa. Personne n'a vu ça? Quoi, c'est. Comment tu t'appelles? Au beau milieu de la banquise, j'ai repeint. Enfin, j'ai fait un monochrome qui a fait parler. Comment tu t'appelles? Je dirais que c'est avant tout un symbole plutôt que. Ou plutôt une allégorie. Pour l'art, c'est pas pareil, mais pour un artiste contemporain, c'est. Comment dire? La même chose que. Comment tu Le t'appelles? coup dont j'ai eu l'idée. Le feu. Le feu de cheminée des cheminots sur les murs des trains. Je pense, bon, je suis pas critique, mais quand même. Là. Comment tu t'appelles? Dans la mer, c'est pas Lacan. Mais sur la plateforme avec les moutons de Bouessant qui broutent l'art. C'est fou. Complètement fou, vous voyez? Comment tu t'appelles? Mais ça, c'est encore mieux, mais vraiment mieux que. Comment tu t'appelles? C'est pas facile de verbaliser, de discourir dans le champ. Enfin, dans le champ de. En face. Dans le champ de. Surtout dans l'art. Il y a plein de. Comment tu t'appelles? J'ai évidemment aidé à la plus grande conception scénographique avignonnesque pour l'anniversaire de. Comment tu Je t'appelles? pense qu'être enfin connu, reconnu, ou ça sent l'être. Enfin bon, moi c'est incroyable, mais inconnu, reconnu, ça sent. C'est aussi fort que. Comment tu t'appelles? J'ai également été consulté pour l'édification de. Comment tu t'appelles? Même une fois, on m'a appelé pour représenter Ta la. gueule!